Bonsoir Marisa. Bonsoir. Votre histoire d'amour avec Marrakech, est-ce que ça a débuté par un coup de foudre? À quand remonte cette passion pour cette ville? Je suis venue ici, je dois dire, dans les années 70, quand Saint-Laurent est venu aussi et s'est pris d'amour pour Marrakech. Saint-Laurent, enfin Yves, a été tellement inspiré ici. Il a été tellement heureux. En fait, je crois que Marrakech, c'est l'endroit où il était le mieux, où il se sentait heureux. Et il a créé des choses merveilleuses, le jardin Majorelle, sa maison, enfin, c'est des lieux mythiques et extraordinaires et magiques aussi. Lui, c'était un homme magique. Marrakech a beaucoup et de plus en plus évolué, est devenu maintenant un centre important culturel, de cinéma. Et moi, je me suis installée en partie. J'y ai ma mère et ma fille et mon chien. Et aussi, en même temps, avoir l'inspiration pour créer des choses. Et mon partenaire et moi, Jean-Michel Simonian, avons été approchés par le Sofitel, lui, pour refaire la conception du spa, et moi, pour le décorer. Et le thème est tout à la feuille d'or, des couleurs turquoise et de l'ivoire. Et tout le spa est dans ces tons doux et luxueux et raffinés. Et donc j'ai lancé une gamme de produits de soins qui s'appelle le Soin Sublime, qui est 100% naturel et très luxueux. Et maintenant je vais me lancer aussi, et d'ailleurs il y a une surprise qui se prépare avec Renault, parce que j'ai un projet avec eux pour le Festival de Cannes, donc je lance une ligne de produits, d'accessoires. Et donc c'est une aventure qui continue et qui grandit tous les jours.